Que reste-t-il de la révolution des œillets Ce jeudi, le Portugal fête le 50e anniversaire de ce joyeux soulèvement mené par des jeunes militaires, la fleur au fusil dans les rues de Lisbonne, qui a sidéré l'Europe le 25 avril 1974. Chaque année, ces commémorations sont l'occasion de faire le bilan sur le chemin parcouru. seulement é droits, direitos libertés liberdades e garantias, o estado social e segurança no emprego e proteção no emprego, porque muitas dessas coisas retrocederam infelizmente a partir do final dos anos 80. O que ficou du que passa, la perception que c'est possible vivre autre manière. 50 ans après la chute du dictateur Antonio de Oliveira Salazar, le pays est une démocratie prospère, mais toujours fortement handicapée par sa faible croissance économique, les conditions de travail précaires et la dégradation des services publics. Il a, surtout à partir du século 21, une intensa dégradation des services publics, comme une alta remunération des. Uh, Dos capitais pela via do juro, portanto, por via de empréstimos, da dívida pública, etc., o que vai destruir a capacidade instalada, a capacidade de produzir do país e também uh, erudir os serviços públicos. E, efetivamente, Portugal continua na cauda da Europa Ocidental, continua a ser o país mais pobre da, da Europa Ocidental, portanto, Portugal não melhorou a situação relativa que tinha é, em termos relativos, em termos de ranking dos países, Portugal continua a ser o mais pobre, o último, o mais atrasado em termos do capital humano, em termos dos do níveis de educação da sua população, continua a ser o último da lista da Europa Ocidental em termos de o funcionamento das instituições políticas. 38 ans après son adhésion à l'Union Européenne, le Portugal doit également réduire sa dépendance aux fonds européens, car un prochain élargissement à l'Est entraînerait une diminution des fonds disponibles pour la politique de cohésion. de en fait, la du pays, comme sont souvent assim et pelos par les acteurs politiques, sendo uma bazuca que vai salvar o país, chuva de milhões, não sei o que, vai servir para salvar o país, na realidade estes fundos têm efeitos muito negativos, tanto para a economia portuguesa, em particular para a parte da economia que está sujeita à concorrência internacional, uh, os chamados bens transacionáveis, o setor transacionável da economia, por um lado, e por outro lado também têm efeitos negativos, pour uh, le processus politique qui existe en Portugal. No fundo, les fonds européens sont une espèce de penses rapides ou aspirines, vont escondre la maladie de la société portugaise, la maladie de l'économie portugaise. Le Portugal est l'un des trois seuls pays d'Europe occidentale à comme démocratie imparfaite, au côté de la Belgique et de l'Italie.